Bravo. On n'était pas trop près là. Hein. Ah ouais. Messieurs. En train de manger des chips. Humoriste, improvisateur, oh, toujours en spectacle, c'est bientôt la fin hein. C'est... Non, pas du tout, on travaille l'été, nous. Tout l'été, c'est eh beau. Oui, la France travaille. On travaille jusqu'à fin juillet, nous. Spectacle toutes les semaines, des blagues, des... Vous voyez l'affiche. Et on sort un livre dans les coulisses d'une saison. Les mythos. Voilà, allez, je vous laisse pour les news de la semaine. Alors, merci. Yes. On va faire le petit point sur le mercato un peu. Là, ça fait peur. Ah, parce qu'on prépare des trucs, hein. On travaille. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue dans le récap de la semaine. On fait un petit point sur le mercato et on commence avec Marseille. L'OM qui enregistre sa première recrue, Valère Germain, c'est officiel. C'est la première arrivée, un mercato jugé pour l'instant décevant, loin des grandes dépenses annoncées. Selon nos infos, le nom complet de Franck Macourt serait Franck Macourt d'Oseille. Pas une cacahuète. D'accord. OM toujours, le transfert de Mandanda bloque, il menace de faire grève en ne venant plus aux entraînements. Les dirigeants de Crystal Palace se déclarent stupéfaits d'apprendre qu'il venait à l'entraînement jusque-là. Ils n'avaient pas remarqué qu'il était là, le gars. D'accord. Du côté de la Turquie, ça bouge beaucoup avec les arrivées enregistrées de Valbuena, Gomis, Dirar et bientôt de Belanda. Et parmi tous ces joueurs, c'est Valbuena qui a reçu un accueil de roi. Valbuena, c'est chelou quand même. Ah non, c'est normal, c'est la plus grosse tête de Turc du football français. Il revient juste à la maison. Turquie, je valide. Le feuilleton Lacazette qui prend fin. Le joueur se dirigerait vers Arsenal. Il est en quête d'un nouveau challenge sportif. Attends, il va pas rester à Lyon pour, c'est quoi, jouer l'Europa League et finir 5e du championnat? Au moins, Arsenal, il va jouer l'Europa League et finir 5e du championnat. Première Ligue toujours. Salah quitte la Roma et rejoint Liverpool. Ouais. C'est pourquoi il quitte la Roma? Oh là là. L'Italie, ça l'a saoulé. J'ai pas compris. Salah. Il s'appelle Salah. Ça l'a saoulé. Oula, t'as gagné. Tu pars en vacances avec Fred Calange. Non, mais non. Deux semaines au Cap d'Agde qu'en naturiste. Mais non. C'est nul, ça. C'est vrai en plus. C'est vrai en plus. Attends, je dément. Je dément formé. Personne n'est dupe. On est informé. En Espagne, Ronaldo poursuit pour ne pas avoir payé ses impôts. Il menace de venir jouer au PSG. De son côté, Ben Arfa aurait arrêté de payer ses impôts pour tenter également de jouer au PSG. On termine avec un scandale. Les joueurs de la Russie se seraient dopés lors de la Coupe du Monde 2014. Et on rappelle que la Russie a terminé 3e de son groupe derrière l'Algérie. Un dopage donc très efficace.